we sing for the world. Nous chantons pour le monde. Because the world is in trouble. Parce que le monde est dans les problèmes. Everybody's at war. Tout le monde est en guerre. In confusion. Dans la confusion. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers, children of God. Tout le monde. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are the peacemakers, children of God. We are his children. We are the children. Que ça vous fait d'avoir chanté tout à l'heure Peacemakers? Oh, j'ai trouvé ça formidable d'être toute une communauté à inviter les gens à être des bâtisseurs de paix, d'amour dans ce monde où il y a tant de malheurs, tant de misères. Ah, je me sens impliqué dans une démarche qui pourrait inviter mon entourage et puis les gens qui écoutaient ce matin à accepter cette paix pour eux, puis aussi à s'impliquer eux-mêmes pour peut-être davantage promouvoir cette paix autour d'eux. Quand elle a chanté pour la première fois, je pensais que ce serait une chanson pour le Burundi parce que maintenant, c'est une période où on cherche vraiment la paix. C'est vraiment très bien, c'est une chanson qui est, je dirais, appropriée pour la situation maintenant. Alors moi, c'est un moment d'émotion parce que c'est vrai que j'oublie pas qu'on est le 12 septembre, que hier c'était le 11, qu'il y a eu des manifestations aux États-Unis et chanter que c'est vrai que Dieu, dans sa volonté, nous appelle à des instruments de sa paix en ce moment. Aujourd'hui, en Suisse, ouais, ça fait beaucoup d'émotion. Est-ce qu'il y a une situation qui, tout à coup, se trouve éclairée de manière nouvelle au travers de cette chanson? Ah oui, tout à fait. Oui. Très concrètement, dans le cadre professionnel, des situations tendu, où j'ai des attentes vis-à-vis des autres et je me dis là, c'est plutôt à moi de prendre les choses en main maintenant. Alors j'imagine, parce que quand je l'ai chanté, j'étais vraiment très émue, mais je peux pas dire comme ça un point précis, mais c'est un chant très très fort et il m'a beaucoup touchée au fond de moi, oui. Oui, je crois surtout dans l'enthousiasme qui comportait ce matin, cette paix, je suis invité à l'extraire de moi-même, disons, à la crier peut-être plus encore. Et dans ce sens-là, ça m'a encouragé beaucoup. Oui. Dans ma vie, je dirais professionnelle d'abord, c'est vrai que je m'occupe de gens qui passent par des périodes de souffrance assez grandes, avec souvent beaucoup de violence, notamment avec des petits-enfants. Et c'est vrai que de dire qu'on peut apporter la paix, je sais que Jésus a parlé plus de 3000 fois des pauvres et des petits et 20 fois des riches. Et c'est toujours des choses qui m'habitent finalement. Ben, ça me rejoint parce que je trouve que c'est important que chaque personne, puisse s'engager d'une manière ou d'une autre. Et j'essaie dans une petite mesure de le faire et je vais le refaire avec une ONG. Je repars cette semaine au Congo. Et je crois qu'on aurait besoin de pouvoir chanter tous les chrétiens là-bas ensemble, bâtissons la paix ensemble. Il y a au Burundi, c'est, je dirais, un forum de prière pour les jeunes. Maintenant, ce sont des prières pour la paix. On cherche la paix au Burundi. La paix durable, ce n'est pas la paix dans les papiers, non, c'est la paix avec Dieu. C'est vraiment la chanson qui convient maintenant. Peacemakers est né après les événements du 11 septembre, lorsque les avions ont percuté les tours de New York City. Et j'ai écrit cette chanson quelques jours plus tard. Je suis allée à Bethléem avec mon manager, mes musiciens, pour une conférence sur la paix.
C'était une conférence mondiale de promotion de la paix durant la période de présidence de Bill Clinton. Il y avait aussi le président Arafat parmi d'autres. C'était un temps de paix à cette époque et nous étions là avec beaucoup de personnes d'autres pays. Bonjour, je ne sais pas vraiment quoi vous dire à tous, mais j'éprouve un grand plaisir à être parmi vous pour entrer dans ce nouveau millénaire ici à Bethléem. Je suis croyante et je n'oublie pas que Jésus est né à Bethléem. Je crois aussi que le message de Jésus n'est pas seulement destiné aux chrétiens, il est pour le monde entier, afin qu'ils sachent que Dieu est amour. Et son message de paix, c'est mon message de paix. Le message que nous souhaitons laisser à chacun, c'est celui-ci, Dieu est amour. Moi, je ne peux pas arrêter les politiciens, mais je peux être avec vous aujourd'hui. Je ne peux pas arrêter la souffrance de vos cœurs si vous avez perdu des membres de votre famille, mais je peux partager avec vous le message d'amour de Noël. Et Jésus nous a apporté ce message il y a 2000 ans. Comme la Bible nous l'apprend, il est né dans une étable parmi les animaux. Et ça, c'est un fait qui doit nous rendre humbles. Eh bien voilà ce que nous pouvons tous partager ensemble. Au-delà de nos couleurs, nous pouvons tous nous donner la main et franchir nos frontières pour montrer l'amour. Que vous soyez homme ou femme, quelle que soit votre ethnie, quoi que vous possédiez, que vous ayez des enfants ou non, que vous ayez une famille, que vous soyez seul, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Et aujourd'hui, en tant qu'artiste, nous apportons un message de paix et d'amour. Vous savez, je peux dire avec John Lennon, tout ce que nous disons est donnant une chance à la paix. Is give peace a chance. I like to promote. J'aime promouvoir l'intégration. Et en tant que chrétienne, j'aime apporter la paix. Je veux vraiment faire ce que je dis. Je veux pas juste le dire. Je veux le vivre. Lorsque j'étais là-bas, je ne voulais pas que les autres artistes ressentent que j'étais là juste comme ça. J'étais là pour être engagée dans la conférence. J'ai donc pris les mains des gens qui étaient à mes côtés et ils ont accepté cela. Chacun était vraiment ouvert et ils ont dit que je m'étais vraiment comportée comme une sœur. Pas comme une star, mais comme une sœur pour promouvoir Dieu, l'amour et la paix. Avant de commencer, j'aime toujours dire que tout le monde loue le Seigneur. Dieu soit loué. Dites tous avec moi, Dieu soit loué. Si vous ne pouvez pas dire Dieu soit loué, dites Alléluia. Ouais, Dieu est bon. Et je ne suis pas ici pour prêcher. Je ne savais pas qu'on me demanderait de vous parler, mais je suis heureuse d'être avec vous. Je ne suis pas ici avec une chorale. Je suis soliste. Je ne suis pas seulement américaine. Je suis un être humain. Et je suis ici avec la race humaine. Est-ce que tout le monde dit Amen? Nous sommes de la race humaine ici. Et il y a un homme qui a tout accompli, qui a pris tous nos problèmes et qui nous a rassemblés ici. Et je suis de cette famille adoptive, par le don du Saint-Esprit. Cet homme, son nom est Jésus-Christ. Il n'était pas seulement un homme, maintenant il est assis à la droite du Père. Et je suis heureuse d'être ici et de partager cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël.
Dans ce nouveau millénaire, nous voulons voir la paix dans le monde. Mais la paix commence d'abord avec soi-même. Je crois quand la Bible dit « Bénis soient ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Je pense que c'était simplement la volonté de Dieu que j'écrive cette chanson pour que les gens s'interrogent. Nous avions l'amour, alors que lui est-il arrivé? Que s'est-il passé? Où est-il maintenant? Et encore plus aujourd'hui. Moi, je suis souvent en avance sur le temps. J'écris des chansons sur des thèmes longtemps avant qu'ils ne se réalisent. Par exemple, la chanson « Qu'est-il arrivé à l'amour ?», je l'ai écrite il y a longtemps. Nous oublions Christ. Nous oublions de tendre la main aux plus petits, à ceux qui sont désespérés ou aux indésirables, entre guillemets. Personne ne les aime, mais Dieu t'aime. Il m'aime. Qu'est-il arrivé à l'amour? Pour aller sur les routes, pour aller en Afrique, au Soudan, où les gens meurent et n'ont plus rien, et leur apporter de la nourriture. Si nous avons de la nourriture en Amérique ou en Europe, alors apportons-la à ces peuples et soyons vraiment des représentants de l'amour de Dieu. Ne dites pas « j'aime Dieu », d'accord, mais faites-le. Jésus est le faiseur de paix originel. Et dans une histoire de la Bible, une minute avant, le vent soufflait et Jésus dit « paix, sois calme » et le vent s'est arrêté. Oui, j'espère vraiment que cette chanson apporte beaucoup d'énergie. Une énergie positive, hein. Je ne souhaite pas simplement chanter. Mon désir, c'est vraiment que les gens comprennent le message que je veux transmettre à propos de Dieu et de son amour. Il peut toucher le monde, même si vous ne pouvez pas chanter, même si vous êtes muet comme une tombe, ou si vous chantez mal, eh bien, nous essaierons de chanter ensemble. Et cette jeune femme qui chantait, elle le faisait avec tout son cœur, et ça me touche profondément. Je trouve magnifique lorsque les gens participent et chantent avec moi. Les jeunes sont sociables et ouverts. Ils connaissent peu de choses. Ils recherchent la nouveauté, ils découvrent de nouvelles voies. Ils étaient vraiment heureux et ils ont aimé cette chanson. Et quand nous avons démarré, vous savez, ils étaient pleins d'énergie. Et c'était vraiment une rencontre fantastique. Je trouve que c'est facile de travailler avec les jeunes, beaucoup plus qu'avec les choristes adultes. Les jeunes sont vraiment ouverts et ils ne font pas toute une histoire pour apprendre quelque chose de nouveau et quelque chose de beau. Franchement, on a trop de la chance de chanter avec elle, franchement. Je réalise même pas, quoi. C'est magique, pareil. Elle chante bien, elle est connue, enfin, c'est bien. C'est pas pareil que d'habitude, parce que d'habitude, on chante de la musique classique, et là, bah, c'est du gospel, et c'est beau. J'écoute énormément de jazz. Et c'est vrai que, bon, là, c'est pas du jazz, c'est du gospel, mais... Mais c'est génial aussi, enfin, il y a ce rythme un peu planant, ce rythme qui est... Enfin,
c'est très beau. Enfin, on ne trouve pas les mots. Vous savez, parfois nous ne trouvons pas les mots pour exprimer ce que nous ressentons. Et peut-être qu'à leur âge, je pense qu'ils sont très timides pour dire ce qu'ils ressentent, mais ils se comportent différemment. Ils étaient très excités par cette chanson. Ils ne disent pas grand-chose, mais ils étaient très heureux de chanter. Et souvent, ils me regardaient en fredonnant « la 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 ». Vous voyez ? Et je leur ai dit de venir tout près pour chanter. C'est ce que j'ai fait parce que je sais qu'ils sont timides. 15 ans, c'est vraiment jeune. Mais ils étaient heureux d'être avec moi et ils me l'ont montré. Je suis venue avec une chorale de New York, The Ark Gospel Choir. C'est un groupe très spécial qui est constitué d'ex-toxicomanes et alcooliques qui ont passé par de graves problèmes. Et certaines filles étaient encore en cure de désintoxication et vous pouviez le voir sur elles. Mais tous étaient vraiment heureux de chanter avec moi. Et l'action de Dieu en eux est très forte parce qu'une personne qui a été éprouvée est plus réceptive pour accepter quelque chose de la part de Dieu. Nous étions là, à Fès, eux, moi et tout ce public arabe. Et c'était vraiment, vraiment une grande soirée, une soirée explosive. Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Et qu'est-ce que la femme ? L'homme n'est rien sans la femme. Où sont les dames ? L'homme n'est rien sans la femme. Sommes-nous des faiseurs d'amour ? Est-ce que nous aimons les autres ? Nous voulons déposer les armes de la guerre. Dieu veut que nous nourrissions les affamés et habiller ceux qui sont nus et être gentils avec les faibles. Dieu est venu dans la chair. Son nom est Jésus-Christ pour apporter l'amour et plus de joie dans le monde. La femme est une partie de l'homme et l'homme est une partie de la femme. Et moi, je suis juste venue pour promouvoir la reconnaissance des femmes ainsi que leur place. Elles ne sont pas seulement des servantes, mais elles sont des aides. Et leur apporter l'amour, la connaissance et le savoir. La femme ne sert pas seulement à faire des enfants, mais elle apporte connaissance, aide et quelque chose de plus à l'homme pour être mieux. L'homme seul est vraiment malheureux, oui, mais avec la femme, il est heureux, même si nous lui causons des problèmes. Nous pouvons apporter beaucoup de problèmes. Nous aimons les problèmes, je pense. Mais c'est ça qui fait tourner le monde.
Je pense que le fait d'avoir pu parler quelques mots d'arabe a rendu la soirée encore plus grandiose pour moi. Je connaissais en arabe les mots qui disent « Dieu est grand », c'est « Allahu Akbar ». Et je leur ai donc chanté ça, et ils l'ont très bien reçu. Ils étaient très excités. Moi, je respectais leur culture. Où je vais, où je suis, je respecte la culture locale. À Fès, je respecte les gens. Quand je vais en Palestine, je les respecte aussi. Je les embrasse parce qu'ils sont comme moi, ils souffrent comme moi, ils pleurent, ils mangent, ils boivent, ils dorment comme moi je le fais. J'aime Dieu et je connais son Fils, mais plus que ça, j'aime le peuple de Dieu. C'est plus que ça. C'est plus que d'être un chrétien desséché dans ma petite église avec mes idées racistes. Non, je ne pense pas. Dieu m'a envoyé pour être une personne d'amour dans le monde et pour montrer son amour. Et c'est un chemin pour montrer l'amour. Je viens avec une bombe d'amour. Alléluia. Je viens avec une bombe dans mon cœur. Et si je peux apporter un peu d'amour quelque part, alors je suis heureuse de le faire. Apporter la paix dans ce temps que nous vivons. Mais Dieu est grand. Je veux dire que si je le dis en anglais, les gens sont d'accord. Mais si je le dis en arabe, les gens se mettent en colère. Mais God is great. Allahu Akbar. Jéhovah est grand. Que voulez-vous que j'y fasse? Dieu est Dieu. Il ne change pas. Nous changeons, nous sommes stupides, mais Dieu est merveilleux et il est amour. Si vous voulez retirer 1 000 $ à la banque et que votre compte est vide, vous ne pourrez rien prendre. Vous devez avoir la paix dans votre cœur pour pouvoir la donner. Si vous avez de la colère ou de la haine dans votre cœur, c'est ce que vous donnerez. C'est très simple. Pour être ivre, il faut avoir du vin à l'intérieur. Et pour moi qui veux être faiseur de paix, je dois avoir la paix en moi, au travers de Jésus-Christ, au travers de la connaissance de l'amour, l'amour de Dieu. Je pense que je suis une personne paisible par nature, mais le fait est que je crois en Dieu. Le fait est que Dieu est tout dans cette vie, et nous avons besoin de l'accepter. Pas seulement à l'Église, mais nous devons l'accepter. Dieu est venu pour nous montrer « Tu as besoin de moi ». L'homme s'est séparé lui-même de Dieu. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis intellectuel. Nous sommes dans l'ère de l'intellectualisme. Nous avons des ordinateurs. Nous n'avons pas besoin de Dieu. Nous avons l'intelligence. Je suis allé à l'école. J'ai mon argent. Mais il nous fait comprendre dans la vie de tous les jours, au travers de nos problèmes, que nous avons besoin de lui plus que jamais. Et Dieu est amour. Dieu est paix. Et il attend sur toi que tu viennes à lui, pour que tu l'intègres à ta vie quotidienne, à ton travail. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un signe extérieur de sa vie spirituelle, mais ce signe est quelque chose d'intérieur. Et ce signe intérieur, c'est de montrer l'amour aux autres. Et aussi, c'est d'être patient. C'est un peu comme quand on conduit, hein. Je trouve quelquefois qu'on est impatient et on se met à crier après les autres conducteurs. Non, nous devons être patients les uns avec les autres. Et nous devons apprendre à vaincre cela et être ensemble. Oh, we are the Thank you.
Comment est-ce que vous percevez l'engagement de Liz Macomb pour la paix au travers d'une telle chanson? Déjà, c'est simplement si les gens, entendant cette chanson, peuvent après la ressentir simplement pour eux-mêmes et repenser aux paroles. Déjà là, c'est déjà simplement un petit engagement, mais c'est déjà énorme. Moi, je sens que c'est un engagement très contagieux. Disons, elle arrive à le répandre autour d'elle. Et puis en ça, je crois que c'est un engagement qui sera entendu. Je me dis que c'est une prise de position courageuse de sa part, de dire, ben voilà, moi, je me situe comme ça. J'ai envie de promouvoir ce message-là, cette idée-là que les chrétiens sont des faiseurs de paix, que Jésus nous appelle à cette mission-là. Moi, je trouve que c'est beau parce qu'elle stimule les gens qui l'écoutent. Elle donne cette chanson, elle donne ce message avec force, avec conviction. À nous de bien le comprendre, de le recevoir comme il faut, et puis d'en faire quelque chose de bien. Thank you.